Eh bien salut à tous, Zozo! Et bah... Ok. Déjà, il y a un Pokémon qui a été relâché, et j'y crois un Karatrok. Bon bah, j'espère qu'il a gardé une garantie. Je vais voir ça. Donc, Pokémon centre, Mamatrok. Ok, ça veut dire qu'il a fait des os, c'est sûr certain. Non, pas appeler ça comme ça. Il a une lettre. Attention, espoir. Lire. J'ai perdu mon enfant dans le PC. Ok. Donc, on va devoir récupérer l'enfant. J'espère qu'il a pris d'autres Pokémon. Putain de merde, je dois fouiller le PC. On va... bon. Ah, je dois finir directement au début, je pense. Hein. Changer. Oui. Ne pas éteindre, je sais, merci. Sauver la partie, ok, alright, ok. Retirer. Des œufs partout, ok, alright. Je sais pas pourquoi, mais le cœur, ça me dit quelque chose. Bon, je pense pas qu'il a mis dans les boîtes, je pense qu'ils sont dans la potion, les Pokémon. Il fait encore plus chier. Bon, on va faire une ellipse, juste pour aller à la pension pour voir les Pokémon et voir s'il y a des Pokémon dans les boîtes. Donc, à tout de suite! Donc, j'ai pas trouvé grand chose, je veux le dire. J'ai trouvé un Pesteton. Bon, il était pas niveau 40, vous en faites pas, il était niveau 20. Donc, je l'ai fait évoluer en Krabos. Il avait pris Écrasement et Abri et Surf. Donc, un très bon Pokémon. J'ai du XP. Le métamorphe, on s'en bat les couilles. Donc, j'ai capturé un espoir. Oui, un autre espoir. Oui, vous savez très bien que j'aime les espoirs. Le Scarabute, le Pierroli, c'est tous des espoirs. Donc, je l'ai capturé. Je suis alimenté au lot de colère. En vendant la vive griffe que Kaisoul avait oublié. En bas du parc à insectes. Donc, voilà. Il avait oublié ça. Tant mieux pour lui. J'ai pu la vendre. J'ai pu acheter des Pokéballs avec. Et donc, j'ai capturé un petit Vivator en pêchant, au niveau 20. Donc, je l'ai monté au niveau 35, ça sera suffisant, je pense. J'ai appris Surf, il avait Mania, il avait pas Morsure, il a appris en montant de niveau, et Ouragan aussi. Donc, voilà. Donc, on est assez bien. Hein. Donc, voilà. Par contre, j'ai du XP là, et sans faire esprit, je suis entré dans la maison, et j'ai pas sauvegardé avant, donc j'ai eu la flemme de recommencer les XP Pokémon. Donc, il y a eu le petit cinématique, vous savez, quand Peter casse la gueule à celui-là avec son Pokémon. Et trouve le passage ici, il nous dit de le suivre ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que j'ai soigné mes Pokémon? Je sais plus. Est-ce que j'ai soigné des PP? Oui, c'est bon. Allez, on y va. Hein. Donc, on a du XP pas mal quand même. Bon, ça, c'est... Vous savez comment ça marche, hein. Hop, un petit... Alerte! Hey, c'est parti! C'est fou, là. Mon oreillette était bloquée. Donc, non, attendez, ça va faire du bruit. Deux secondes. Voilà. Non. Face speed ou là. C'est bon. Alors, ce Poléfric, mon ami. Moi, je t'envoie Pesteton et tu te calmes direct. Direct, mon frère. Hop. One shot. Il est où le respect? Pesteton, il est le meilleur. Nosferati. Boum. One shot. J'aime bien les Pokémon de Team Rocket sont aussi au niveau que les Pokémon sauvages d'en haut. Donc ça prouve la supériorité de la Team Rocket. Ah non, pas encore. Oh fuck. Non, je crois que ça va être le seul dispositif qu'on va activer, hein. Moi je sais plus. Bon là c'est quand même la partie la plus chiante, hein. Kaisoul a dû faire l'arène acier, j'ai pas vérifié. Mais je pense qu'il a dû faire ça. Parce que vu on est... ça serait bizarre quand même qu'il ait plus ça. Qu'il ait pas avancé plus que ça. Donc je pense qu'il a dû faire l'arène acier. Agi lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Franchement, aucune idée. Oh il est moche tellement comme ça.
Le classement. Bon bah c'est un épisode tranquille, hein, même si on a dû y spé pas mal de temps quand même. J'avoue, j'ai commencé à tourner à 1h, il est 2h de l'après-midi. J'ai pris quand même 1h pour y spé mes Pokémon. Mais bon, ça vaut le coup, hein, parce que bon, avec un Krabby et un Métamorph, je n'aurais pas fait grand-chose, je pense. Mais bon, Krabos c'est un Pokémon assez puissant, et assez facile à XP quand même. Parce qu'il a quand même une attaque assez puissante, si vous pouvez le dire. S'il vous plaît, pas une autre. Ouais, c'est bon. C'est la dernière qu'on doit activer. Donc on doit aller juste en bas. Et appuyer sur le PC. Oh fuck, on peut pas esquiver ça. Bon. Toi, combat. T'es le dernier combat, de toute façon, qu'on va faire avant d'arriver en bas. Par contre, je sais pas, parce que j'ai peut-être un problème de son du jeu pour la première partie. De toute façon, je verrai si je corrige. Je pourrais corriger peut-être au montage. J'espère. Merde, j'ai fait le con là. Bon, c'est pas, c'est un shot quand même. T'as 3 Pokémon. Si on va pas voir le con, force surf. Non, j'ai pas vu tout ce qu'ils ont fait d'Elevator Shiny. Parce qu'il est plus au milieu du truc, donc ils ont dû. Comme j'ai les cailles rouges, ils ont dû le capturer. Ou le relâcher. Ou le tuer. Connaissant les deux. Je sais pas. J'en sais rien. J'ai hâte de voir les épisodes. Mais j'ai pas vu les épisodes encore, donc je sais pas du tout ce qui s'est passé pendant le tour d'avant. Donc j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir les trolls qui se sont fait aussi entre eux. C'est un peu pour ça qu'on tombe. Donc là, il y a un interrupteur. Voilà. Précision plus! Youhou! On va pas courir là-dedans? Non, on va pas courir là-dedans. Hyper potion! Bah parfait, il en fallait une pour mon troll. De toute façon, on risque plus rien. Hein. Regardez, on peut passer tranquille, easy posé. Une pépite! Oh putain, parfait ça! De la mouni. Et voilà. Coupiteur! Ah ouais, ils sont très fatigués, putain. Waouh, j'ai tellement pris de coups. Tu peux pas t'imaginer. Quoi. Putain, ils sont moches les pixels. Regardez ça, ces pixels de merde. Oh fuck! On peut pas l'esquiver de toute façon. Espèce de sale mioche, combat! Spear Rocket va se battre! Spear Rocket, on va Mimitos! Pince tes tons, go! Allez. De toute façon, Krabos, c'est le plus stylé des évolutions des crabes. Après, le plus stylé des crabes, c'est Crapince, hein. Bah, c'est Crapince! C'est le meilleur, quoi. Mais sinon, Krabos c'est la plus belle évolution de crabe. Hein. Ne parlons pas des nouveaux crabes, comme votre bouffon de crabe avec son rocher sur le dos. Hein. Et voilà, parlons des vrais crabes. Hein. On n'est pas obligé de combattre tous les dresseurs. Juste combattre les dresseurs importants. Tout à. Ouais, je sais. Non, juste en haut là. Oh fuck, on est obligé de le combattre. Allez, je travaille pour la cible, mais maintenant je suis pour la Team Rocket. Non, il moche comme toi, il doit être puni. Hey, tu veux me punir, mon ami? Tu vas avoir la punition ultime. Smogo. Peste ton go. Smogo. Boum boum boum. One shot. Bon, j'ai eu peur que mes Pokémon ne seraient pas assez haut niveau. Mais ça va. J'ai bien monté quand même. Tireur de calcul. Oui, tout à fait. Toi, t'as un mot de passe.
je suis pas nul. Déjà, si tu donnerais pas au nul, on te l'aurait pas donné à toi. Donc please. Ta pète avec ton merde de terre là. France Pogne. Suis Rocket en moi. Ortide. Ortide. Ce Pokémon. Super drogué mon frère. Putain, ça sent 8 XP quand même l'Ortide. Au Calente Angé. Il a quand même des bons stats quand même, Krabos. Hein. Faut le dire. Hein. Un bon Pokémon. Carmelos. Sans les deux autres. Il en faut deux autres. Ou un seul. Je sais plus, putain, je sais plus du tout. Je sais qu'il y a un mot de passe là-bas encore. Un manteau de ta gueule. Allez. Un petit combat. On est qu'à 12 minutes de vidéo. Hein. On est posé. Oh, la métamorphe. Bon bah tu vas mourir hein. T'as rien pas de transformer, regarde. Bah. Adieu métamorphe. Oui oui. Ah c'est un accompouilleur. Je crois que lui il a un mot de passe aussi. Je sais plus du tout, putain. Bon, je ramasse les objets, hein. Tant qu'à faire, comme ça on laisse pas d'objets à personne. Ah, tu vois. Ah, elle a un mot de passe. Je savais très bien qu'elle a un mot de passe. Je crois qu'elle a un rat attaque, lui. Mes souvenirs sont bons. Un attaque, il y en a un qui a un corbos. Ouais, oh le beau gosse. Bon, un corneille, pas un crabe, un corbos, oula. C'est, y a pas de corbos ici, il y a des corneilles, c'est tout. Normalement, l'autre, il est juste en haut. Ah, un objet encore. Un anti-gel! Comment dire, c'est quand même assez rempli d'objets inutiles. Je vais dire, regardez. Non, y a pas d'objet là, au calme. Je croyais qu'il y avait un objet ici. Les pires électrodes. Avec leur animation. T'as la musique qui est horrible par contre. Ah fuck. J'aurais... Ah d'accord. Mais te briser je dois. Tu me briseras jamais mon ami. Parce que le sucre ne se brise jamais. Atata. Atata. La Marion. Désolé, petit troll à part. Force poigne. Non, Sferati! Je vais en profiter de combat pour vous expliquer quand même le troll que j'ai fait avec Stivos quand même. Donc, le troll avec Stivos, ça va être assez compliqué à le faire. Parce que déjà, je voulais le Karatog, donc il m'a mis un œuf de Karatog dans tous les œufs. Donc, déjà, de base, je voulais faire éclair tous les œufs pour le troll. Donc, bon, ça me dérange pas trop. Ça prend du temps. Et j'ai pu remarquer qu'ils n'avaient pas fait la reine de combat, et ça m'arrange. Ça m'arrange énormément. Oui, vous êtes peut-être réfléchi, vous êtes dit... Non, il va pas faire ça. Pas si, les mecs. Si, je vais faire ça. Je vous explique après le petit pitch qu'il va me faire, lui. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien. La prochaine fois que je te vois, je te claque la gueule. Ah merde, je suis pas allé parler. Oh merde, oh fuck. Je suis pas parlé à l'autre. Putain, je l'ai battu, mais je suis pas allé leur en parler. Donc il m'a rien dit. Donc pour l'instant, on remarche là-bas. Je vous explique. Donc je vais le bloquer sur l'île là où il y a le Pokémon de combat. L'arène de combat, je vais laisser que le champion, sans argent, sans objet, sans Pokémon dans la boîte, avec un seul Pokémon. Et ce Pokémon est un putain de Karatrog. Karatrog peut apprendre surf, donc ça m'arrange. Pas surf ou force. Donc ça m'arrange. Je vais pouvoir le bloquer et il va pas pouvoir faire l'arène. Et il va devoir exploser son Pokémon Karatrog en pêchant.
Et oui, en pêchant. Et comme Karatok est très dur à XP parce qu'il a aucune attaque, il a de la défense par contre, il résiste. Il va galérer à mort pour l'XP ce Pokémon. Et comme ça bébé, il se prend pas double comme le Karatok normal. Parce que si j'aurais laissé le Karatok que Cassioul m'a relâché, il aurait XP beaucoup plus vite. Et ça aurait été moins bien. Et là, comme je vais faire un... comme Cassioul a fait un up, ça m'arrange, je pouvais le faire. Donc voilà. Je vais le laisser sur l'île, comme j'avais fait avec Cassioul avec les métamorphes, sauf que là, il aura aucune échappatoire possible. Parce que l'île est vide, hein. Faut le dire. Hein. Bien sûr, le Karatok sera niveau 5. Hein. Je vais juste récupérer la canne. Je vois où aller, je me souviens plus trop, il faut que je me rappelle. Mais je pense que je sais où aller, vous en faites pas. Donc voilà, on va récupérer la canne. Et il va pas empêcher des Magikarp niveau 5, tout ça, là-bas. Il va devoir exploser son Karatok avec ça. Donc moi, je lui dis bonne chance. Moi, j'ai pris du temps pour faire le troll, mais lui, va prendre du temps à sortir du troll. Et ça va être rigolo à voir sa réaction. Hein. Donc voilà. Je vous ai expliqué un peu le troll. De toute façon, vers 17 minutes, j'ai rentré la Team Rocket, même si j'ai pas fini. Et j'irai là-bas directement pour faire les deux dresseurs de l'arène. Parce qu'on est obligé de montrer les dresseurs de l'arène en vidéo. Que Cassioul a pas fait pour l'arène écrémeux, mais on lui a dit. On lui a fait la remarque. Parce que bon, l'arène c'est quand même l'histoire. Donc il faut tout montrer de l'histoire. Bon, c'est assez rapide. Sans bourrer. Bon, le piaf. Crache le morceau. Merci. Attends, on va revenir derrière. Même si c'est lent, hein. Un objet. Protéine! Tu prends de la protéine, toi aussi? Oh fuck, j'ai pas vu que j'ai pas combattu lui. Bon, c'est pas grave. Je sais qu'il faut des mots de passe, ta gueule. Ça va comprendre plus, hein. Allez, alors là. Hop. Comme 600 XP au calme. Oui, t'as perdu, je sais très bien que t'as perdu, toi. Putain, j'hésite. J'hésite à lui ouvrir la porte ou à le laisser là. Dans la merde. Je pense que je vais laisser dans la merde. Ah oui. Voilà, on va le laisser là. Simplement, on va laisser dans la merde, comme ça, quand il reviendra à l'île. C'est vrai qu'on va... Oh là là, je suis débile. Donc, on va faire une ellipse, vite fait. On va se retrouver directement sur l'île pour faire les deux dresseurs, et ça sera la fin de l'épisode. Donc, à tout de suite. Donc, de nouveau. Donc oui, deux ellipses, désolé. Donc, on va faire là, on va faire ça. Allez, c'est parti. Ça va aller vite, hein. On va pas pour longtemps pour faire les trois combats. Je croyais qu'il y en avait deux, mais il y en a trois. De toute façon, c'est la même chose. Putain, il est moche, lui. Allez, surf. Chou-chou. One shot. Coucou, Dico. Oh, le cam. Hiro Karateka, perdu. Combat direct. J'enchaîne. Oui, tout à fait. Ça, c'est une arène que Cassioul aurait apprécié. Je suis sûr que Cassioul, s'il était un champion de Pokémon, il serait un champion de type combat. C'est sûr. Bon, certains diraient ténèbres pour le troller. Merde, j'ai fait une force spawn, c'est pas grave. Bon, je pense que ça doit faire mal quand même. Ah, ça ne one-shot pas. Merde. Ah, point glace quand même, au calme. Je gèle pas, hein. Bon, ça c'est rapide, mais le champion par contre il est vraiment galère. Et Sivos va galérer, mais comme un gros porc. Surtout qu'il va être perdu! Parce que moi j'ai pas fini le sous-sol.
de la Team Rocket. Mais quand même perdu. Il y a deux Pokémon lui. Il s'appelle Ryu. Machop. Machoc. Bon, normalement c'est le one shot hein. Ouais, coup critique en plus. Putain, mais ben, c'était ton, hein. Il est balé coup critique, hein. Eh, mon poteau, hein. Ce Mac Chopper. Il résiste bien, hein. Il résiste bien. Oui, éboulement, tranquille. Heureusement qu'il attaque en premier, mon peste ton. Sinon, il aurait pu me flinch. Et être flinché dans ce jeu, c'est horrible, hein. Faut se le dire, hein. Force, je crois qu'il peut apprendre force comme ça. Il manque un boss. Ouais. Effacer. Bon, la brise, ça me sert à rien. De toute façon, je vais le jeter de toute façon après. Hein. Après, comme tu as dépassé ça, je peux utiliser force, oui. Allez, crapin! Et voilà. Ça sera le dernier, je vais ça. Et ce sera bon. Mon troll sera en place. J'ai juste regardé vite fait quelque chose, je vais rentrer et ressortir du tout pour voir si les pierres se remettent. Si les pierres se remettent pas, c'est un tant mieux. Féro-singe! Bien, moi je suis Féro-singe dans celui-là. On dirait un caissoul, mais énervé quoi. Bon, je sais que Féro-singe est quand même une nature assez énervante. Il s'énerve vite. C'est un pur sang, quoi. Oh, pur Féro-singe encore. Sûr qu'il y a un Colossinge, le mec. Montre-moi l'évolution de Colossinge, de Féro-singe, le caissou l'énervé. Ah, c'était sûr. Je sais pas si Force, c'est plus fort que Force Point dans cette génération. Je sais plus du tout, je sais plus. J'ai tellement l'habitude du nouveau metagame que les dégâts des attaques avant, ça me fait plus rien. Et Ping, au revoir Ping. Ah t'es nul Ping, t'as un mauvais Ping. On va sortir, rentrer. Ouais, bah ouais. Heureusement. Comme ça, il va devoir prendre force, il va devoir niquer une attaque. Donc moi, je vous dis à la prochaine, donc je vais devoir faire à cœur tous les œufs, ça va me prendre énormément de temps. Mais j'espère que ce troll va vous plaire, parce que franchement, moi ça va me plaire de le voir souffrir. Allez, à plus !